Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de ces deux dernières semaines, nous avons retenu les questions suivantes. L'ersatz de reconnaissance du massacre du 17 octobre 1961 par Emmanuel Macron. Nous terminerons enfin sur une nouvelle dissolution d'association par le ministre de l'Intérieur. Pour la première fois, un chef d'État français en exercice a déposé une gerbe de fleurs en hommage aux victimes du 17 octobre 1961. La grande presse unanime a salué le pseudo-courage du chef de l'État et analysé le geste comme étant une sortie du déni historique. Rappelons que ce sont des centaines d'immigrés algériens qui ont été tués et des milliers d'autres blessés par la police parisienne ce jour-là et les jours qui ont suivi, dans un scénario macabre de chasse aux manifestants, de rafles à grande échelle, d'enfermement dans des lieux de regroupement de plus de 10 000 personnes, de corps jetés morts ou vivants dans la Seine, de réquisition de tous les bus de la RATP. Le seul crime de ces manifestants était de refuser un couvre-feu raciste qui ne s'appliquant qu'aux seuls Algériens d'une part et de se prononcer pour l'indépendance de leur pays d'autre part. Face à un tel crime, quel est l'acte de courage du président Macron que célèbrent de manière quasi unanime les grands médias? Le communiqué de la présidence de la République du 16 octobre 2021 résume ce pseudo-courage. Il déclare, je cite, « Les crimes commis cette nuit-là, sous l'autorité de Maurice Papon, sont inexcusables pour la République. La France regarde toute son histoire avec lucidité et reconnaît les responsabilités clairement établies. » Fin de citation. La duplicité d'une telle déclaration est significative de la stratégie mémorielle de Macron consistant à reconnaître en apparence les faits, mais en les euphémisant, c'est-à-dire à changer en apparence pour ne rien changer dans le fond. Cette stratégie mémorielle n'est pas neuve. Elle est déjà au cœur des rapports demandés à des historiens par le même Macron sur la mémoire de la guerre d'Algérie et sur le génocide au Rwanda. Dans les deux cas, la reconnaissance des faits vise à solder des passifs historiques sans visibiliser les responsabilités, sans en tirer l'ensemble des leçons et sans envisager la moindre réparation. Dans les cas précis du 17 octobre 1961, cette stratégie mémorielle se traduit par l'opération consistant à présenter Maurice Papon comme étant le seul responsable du massacre. Il s'agit ainsi de présenter un crime d'État comme étant un crime de préfecture. Or, l'ampleur des moyens déployés, le nombre de victimes, le caractère organisé de la chasse à l'homme de ces heures tragiques, la chape de plomb qui s'abat immédiatement sur les faits, tous ces éléments soulignent qu'un tel crime n'a pu être possible qu'avec la complicité des plus hautes autorités de l'État, du Premier ministre au ministre de l'Intérieur, en passant par la présidence de la République. Dépasser une page tragique de l'histoire n'est possible qu'en la lisant jusqu'au bout d'une part et en instaurant une logique de réparation d'autre part. Cela est valable pour tous les crimes coloniaux et néocoloniaux, des massacres du 8 mai 45 à celui de Madagascar en 1947, en passant par les massacres de masse de Léopold II au Congo entre 1885 et 1908, ou par le génocide des peuples Herero et Nouma par l'Allemagne au début du siècle dernier. La stratégie mémorielle de Macron n'est ainsi qu'un ersatz de reconnaissance et non un acte de courage, comme elle a été présentée dans la plupart des articles des grands médias. Le mercredi 20 octobre 2021, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé la dissolution de la coordination contre le racisme et l'islamophobie. Le motif officiel invoqué est que cette association appelle à la haine, à la violence et à la discrimination. Cette nouvelle dissolution intervient après celle du collectif contre l'islamophobie en France, en décembre 2020, suivie de celle d'autres associations depuis. Le décret portant dissolution du CRI est tout autant que celui concernant le CCIF l'année dernière, significatif de cette logique du bâton, se justifiant par une dénonciation des intentions supposées, et non comme le voudrait le principe même de justice, sur le fait de sanctionner des propos ou actes illégaux. Il est ainsi reproché au CRI, je cite, « de cultiver le soupçon d'islamophobie au sein de la société française » ou encore
de présenter comme islamophobes les dispositions relatives à l'interdiction de dissimulation du visage dans l'espace public, ou enfin de tenir un discours antisioniste appelant des messages à teneur antisémite. Fin de citation. Ces quelques exemples suffisent à démontrer que ce sont des opinions qui sont poursuivies et non des faits et propos délictueux. Penser qu'il existe une islamophobie en France, être en désaccord avec une loi ou critiquer le sionisme suffit désormais pour justifier une dissolution. Cette nouvelle interdiction survient dans le contexte électoral d'une présidentielle marquée du côté du gouvernement par une course pour capter les voix d'extrême droite, avec la construction médiatique d'un Zemmour en charge de fixer le rythme et le degré de cette tentative d'extrême droitisation de l'ensemble du champ politique. Pour que cette tentative soit efficace, il est nécessaire non seulement de reprendre des thèmes classiques de l'extrême droite, mais aussi de diffuser la peur pour produire des réflexes d'autocensure du côté de toutes les voix dissidentes. Informer dans ce contexte ne peut pas consister à se limiter à diffuser les motifs officiels justifiant la décision, comme l'ont fait de nombreux articles de presse. Informer suppose de contextualiser politiquement et de souligner l'ensemble des enjeux. Le savoir est une arme. Il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Elles seront traitées dès qu'un fait d'actualité en lien avec elles permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.